Sur Euronews, vous entendez beaucoup parler du Mali en ce moment, à cause de la guerre que la France y mène dans la moitié nord du pays. Cette fois aussi, nous vous parlons du Mali, mais cette fois, nous parlons de sa musique. Les grands artistes maliens viennent de se produire à Londres. Ils espèrent que la France parviendra à chasser les rebelles islamistes qui, selon eux, persécutent les musiciens dans le nord. La France est venue au bon moment pour chasser les terroristes dans notre pays. Donc, j'ai acheté un drapeau français pour remercier la France. Vive la France. Peace in Mali. Sidi Touré est originaire de Gao. Peace in Africa. La ville du nord-est du Mali était l'un des bastions des islamistes. Peace in the world. Elle vient d'être reconquise par la France et ses alliés. La paix. La paix. La paix, la paix. Moi, je suis naturel optimiste. Et je pense que la musique peut donner beaucoup d'espoir. Et je prie Dieu que ça ne rentre pas dans les oreilles d'un sourd. Nikanga koi hala nendaga wo dantonda bani nase aifaje. Le groupe Touareg Tammy Crest s'est également produit sur scène. Ses habitués des festivals européens espèrent que la paix reviendra vite dans le désert. Ils espèrent également éviter tout amalgame entre leur culture et le terrorisme.